Galatone, dont le terme grec Gala signifie lait, est un ancien bourg dans les Salento, situé dans un large réseau de communautés agricoles d'origine byzantine, dans lequel l'élevage était un élément de richesse et de développement local. Il possède une petite portion des côtes ioniennes au nord des Gallipoli. Il fait partie des 10 communes les plus peuplées de la province de Lecce, en ayant obtenu le titre de ville en 2005. Autrefois, Coria était un terme donné au village comme Galatone, pour définir ce centre qui avait eu de nobles origines byzantines et grecques, et où dans les temps, la langue grecque avait fusionné avec les dialectes locaux. Porte San Sebastiano, autrefois appelée Porte dell'Antro, remonte au XIXe siècle, mais elle a été immédiatement reconstruite après les tragiques tremblements de terre du 1743. Elle est divisée en trois parties par quatre colonnes en style dorique, qui s'élèvent majestueuses vers le ciel. Au centre, il y a une arcade caractérisée par une voûte en demi-cercle, avec les blasons des seigneurs feudaux de l'époque, Pinelli Pignatelli et de la Chiesa. La magnifique porte est puis enrichie par la statue réalisée en pierre de Lecce du patron de Galatone, Saint Sébastien, placée sur un piédestal. Elle a été sculptée par le maître Pantaleo Latini, qui l'a complétée et donnée à la ville en 1859. La tour de l'horloge a été complétée en 1809 et elle est vraiment intéressante du point de vue stylistique parce qu'elle possède des chambres de cloches. Sur les côtés au sud de la tour, on peut admirer la magnifique méridienne, encore présente et fonctionnante. Le siège adjacent à la tour de l'horloge était le lieu où se réunissait l'assemblée civique de l'université de Galatone. Il a été construit par Onofrio Fanuli en 1589. Il a été aussi le lieu de l'assemblée plénière municipale jusqu'en 1870. Le palais normand a été construit sur les ruines d'un ancien château reconstruit au XIe siècle. Les travaux d'élargissement et de consolidation de la forteresse ont été accomplis par les seigneurs feudaux qui se suivirent au cours des années, à partir de la famille des Falcone en 1192 jusqu'aux Gentiles, 8 ans plus tard. En 1556, le château a changé sa connotation et il est passé de fort militaire à demeure seigneuriale. Tout cela grâce au nouveau propriétaire, les Squarciafico, des nobles bancaires génois qui pratiquaient le commerce et les affaires. C'était par l'Hermann que le palais a été doté de l'actuel portail d'entrée, qui a remplacé complètement l'utilisation du pont-levis. La façade monumentale, au contraire, a été affinée entre le XVIe et le XVIIe siècle pour volonté de la famille Pinelli-Pignatelli. Les fenêtres et les balcons même ont été richement décorés en style baroque. En 1927, la marquise Anna Ravascheri Pinelli-Pignatelli a décidé de donner tous les palais aux frères mineurs tertiaires de la Vierge des Douleurs, en mettant fin de cette manière à la longue et prospère propriété de la noble famille Pinelli-Pignatelli.
La tour Pinelli-Pignatelli a été réalisée en 1267 sous la période angevine. À l'époque, elle était entourée d'un fossé, ainsi que toute la muraille du XVIe siècle. Autrefois, la tour avait eu un rôle de pure défense passive. Cela est évident à travers les surfaces planes de toute la structure, peu adapte à résister à l'artillerie lourde. Au XIXe siècle, le rez-de-chaussée, qui autrefois abritait les prisons, exerçait seulement la fonction d'écurie, comme le montre le mangeoir creusé dans l'épais et solide mur. À l'étage supérieur, il y a une grande salle qui constituait une résidence sûre en cas de siège. La tour a été restaurée en 1969 et, vu son rôle dans la vie des habitants de Galatone, depuis cette date, elle est devenue le siège de l'association Prologo. Le moulin à l'huile proto-industrielle de Galatone, situé dans le palais Pinelli-Pignatelli, est un mélange de sagesse et fatigue. Du point de vue strictement architectural, le moulin à l'huile est impressionnant pour sa grandeur et somptuosité. Il présente un plan quadrangulaire d'environ 600 mètres carrés et il est subdivisé en 16 portées avec une couverture de voûte en étoile. La structure architecturale a été totalement creusée dans les rochers calcarénitiques locales. Très important pour la vie sociale et professionnelle de la population locale, le moulin à l'huile était fréquenté quotidiennement par au moins 100 personnes, tout ensemble engagé dans l'extraction de l'huile standard et des huiles fines. La présence des 72 lampes à gaz permettait la mouture pendant la journée et la nuit. Ce gaz était produit par la combustion de déchets végétaux à l'intérieur d'une chaudière semi-enterrée. Aujourd'hui, il représente le seul exemple dans la province de Lecce d'une structure aussi bien équipée pour un travail glissant. À environ 800 mètres en ligne droite et en direction sud-est de Galatone, Fulcignano a représenté l'emblème d'un modèle de vie profondément imprégné des cultures grecques et byzantines. À son apogée, les tensions entre Fulcignano et Galatone furent encore plus vives, peut-être à cause de leurs différentes origines ethniques, linguistiques et culturelles. C'est ainsi qu'en 1335, se déchaîna une guerre entre les deux populations, qui d'autre part appartenaient au même territoire. Les habitants de Galatone bâtirent Fulcignano et la détruisirent. L'architecture, probablement l'une des meilleures conservées dans le Salento, rappelle à l'esprit l'architecture des châteaux islamiques, comme celle de la terre des Siciles, qui sont influencés par l'architecture orientale transmise par les croisades. La particularité de toute la structure était l'enceinte murale de craie locale. Elle en effet était capable d'intimider les visiteurs pour son impénétrabilité. Elle a une altitude d'environ 8 mètres et une longueur de 75 mètres sur les côtés les plus longs et de 49 mètres sur les côtés les plus courts. L'épaisseur, assez considérable, est d'environ 2 mètres et 60 cm. Thank you.
Le palais Lercari a été défini le palais de la honte, en raison de l'état d'abandon dans lequel il s'est trouvé pendant longtemps. Il est l'un des plus importants monuments de Galatone, à tel point que l'administration communale l'a requalifié et le 30 juillet 1958, il a inauguré à la mémoire de Antonio de Ferraris, autrement dit il Galateo, la plus importante personnalité académique et culturelle de Galatone. La bibliothèque, située à l'intérieur de l'édifice, est fournie de plus de 5500 livres de haute valeur culturelle et littéraire. En raison de son importance, la bibliothèque municipale est devenue en 2007 partie intégrante du pôle libraire du Salento, puisqu'elle est inclue dans les plans de développement SBN des Pouilles. Très fascinant et important est le musée des machines de Léonard de Vinci, géré par l'association Creativa Mens et situé dans les palais Pinelli-Pignatelli. Depuis 2009, l'association culturelle organise une exposition intitulée Léonard de Vinci dans la ville du Galateo, œuvre de Giuseppe Manisco, qui, passionné du génie de Léonard de Vinci, a décidé de reconstruire environ 70 des œuvres. Un parcours unique et exceptionnel entre les machines de la guerre, de la technologie, de l'architecture, hygroscope, pont temporaire, pont pivotant, pont tournant sur bac et un pont à tablier unique, puis encore anémomètre, roulement, compas, mais même aussi un lance-pierre à tuyaux multiples, complètement fonctionnant, les tout accompagnés de panneaux descriptifs. Un voyage sensoriel et émotionnel entre principes physiques, applications militaires, curiosités et anecdotes d'une vie exceptionnelle consacrée à la recherche des secrets de l'univers. Toujours à l'intérieur du palais Pinelli-Pignatelli, il y a l'exposition des radios d'époque les plus célèbres. Outre les radios avec les designs des années 20 des marques telles que Safar, Fonola, Magnanide, Telefunken, Radio Marelli, plus d'une centaine de récepteurs provenant de différentes nations sont exposés à l'intérieur. En plus de la salle dédiée aux radios, il y a aussi une autre salle adjacente dédiée au célèbre personnage Guglielmo Marconi, représenté par un buste en bronze. Ici, une station télégraphique a été installée avec les différents instruments scientifiques, comme la classique bobine de Ruhmkorff et la machine électrostatique de Wimshurst. Le monument à la mémoire d'Antonio de Ferraris est l'exemple le plus tangible du grand respect que la ville de Galatone a dédié à un homme très important du point de vue culturel et académique. Le Galateo, si connu aujourd'hui par l'histoire locale et nationale, a reçu les premières bases littéraires par les moines basiliens de Galatone. Il a complété ses études à Nardò et il s'est installé à Naples à l'âge adulte. Ici, il a étudié l'art de la médecine et il a perfectionné les enseignements de la philosophie et des sciences humaines. Il a été donc un personnage de grande culture et avec un grand dévouement au travail. Et les habitants le rappellent et le célèbrent comme expression de la sagesse littéraire de Galatone, en lui dédiant la magnifique statue, mais aussi les jardins du palais Belmonte. La
La petite église en l'honneur de la Vierge de Lodigitria ou Santa Maria del Lido remonte au IIe siècle, mais malheureusement, il n'en reste pas grand-chose. L'intérieur, caractérisé par une voûte en berceau, était autrefois bien décoré et orné des scènes de l'histoire de la Passion de Christ. Au centre de la structure, on peut encore admirer les peintures de la Vierge de Lydia, qui indiquent la voie du salut à son fils Jésus. D'autres fresques représentent les sons de la liturgie orientale, en démontrant le profond passé qui lie le Salento aux autres cultures provenantes de l'autre rive de la Méditerranée et aux cultes byzantins. Des relations qui, au contraire, la culture latine a essayé de tronquer. Galatone possède une profonde tradition culturelle dans les domaines des arts figuratifs et des images, avec le magnifique cinéma de la Minerva. Un ouvrage unique dans un genre, fermé pendant de nombreuses années mais récemment rouvert au public. Le cinéma de la Minerva représente aujourd'hui un fleuron pour Galatone et ses habitants, parce qu'il est un lieu où la culture et l'art s'effondrent de façon indissoluble pour exalter la beauté de la poésie dans les arts figuratifs. Un des plus suggestifs paysages de l'entière côte ionienne du Salento est la montagna Spaccata, dans la località La Reggia, située le long de la côte qui va de Lido Conchiglie à Santa Maria al Bagno, une zone naturelle exceptionnelle par la beauté du paysage. La côte rocheuse, mais riche de nombreux points d'accès à la mer, est caractérisée par la présence de petites grottes plus ou moins submergées d'origine karstique et par des coraux de différentes natures que malheureusement l'homme a détruits dans le temps. Cette magnifique variabilité structurale et faunistique rend La Reggia un vrai trésor naturel à la lumière du soleil, un lieu où le silence et la réflexion représentent les points cardinaux de ceux qui veulent profiter de ce spectacle et vivre pour un instant une étroite symbiose avec la nature côtière.